Bonjour à tous. Comme vous le savez, le concours La Boule et les Étoiles s'est terminé fin janvier. Et donc, je vais vous annoncer, comme vous l'attendez très certainement avec impatience, les trois gagnants que Côté Mosaïque a sélectionnés. Comme vous le savez, le concours La Boule aux Étoiles est terminé donc depuis le 30 janvier. J'ai reçu toutes les photos des participants. Donc vous avez été à nouveau très très nombreux à participer. Plus d'une centaine d'achats de kits et à peu plus de 70 personnes qui sont allées jusqu'au bout du concours en m'envoyant la photo de leur très belle boule aux étoiles réalisée en mosaïque. La formule pour ce concours, c'était que ça soit l'équipe, toute mon équipe, qui sélectionne les trois gagnants. Tout d'abord, travaille avec nous Sophie. Donc Sophie qui travaille depuis pratiquement le début de l'entreprise, donc ça fait une bonne quinzaine d'années. C'est elle que vous avez au téléphone la plupart du temps si vous avez besoin de renseignements, si vous souhaitez passer vos commandes. Et c'est elle qui va vraiment gérer tous nos clients et les commandes internet et également tous les clients qui viennent à la boutique. Sophie, vous avez très très souvent un petit mot de sa part sur les factures. Ensuite, Émilie. Alors Émilie, certaines personnes à la boutique la connaissent puisqu'elle fait aussi beaucoup de mosaïques chez elle. Elle a également une page Facebook avec Éclat d'âme, donc elle fait des très très jolis portraits, vous pouvez aller voir. Et chez Côté Mosaïque, c'est elle qui vous prépare avec beaucoup d'attention toutes les commandes. Elle fait vraiment la préparation et le conditionnement des commandes que vous recevez ensuite chez vous. Nous avons également Maëla qui a intégré l'équipe à Orléans. Donc Maëla est en alternance. Maintenant, elle est en alternance dans une école de commerce qui est à Orléans et elle est spécialisée dans le e-marketing. Donc, c'est entre autres grâce à elle que vous avez des très jolis diaporamas pour tous les concours. Vous avez également des jolis visuels sur le site internet. Et bien sûr, elle fait plein d'autres choses également, mais du marketing essentiellement. Une personne qui travaille avec nous, également une personne de l'ombre, Manuela. Alors Manuela est en télétravail à Toulouse, donc voilà, même si vous venez à la boutique, vous ne pourrez pas la croiser. Manuela, c'est avec elle que nous rédigeons tous les articles que vous pouvez lire, découvrir sur le blog. Donc aussi bien les articles mettant en valeur et montrant toutes vos belles créations pour la galerie qui se trouve sur le blog. C'est vrai que j'aime beaucoup partager aussi de cette façon-là avec vous les créations des uns des autres. Donc grâce à Manuela, on peut vraiment vous mettre en ligne très régulièrement des mosaïques qui sont inspirantes pour vous également. Et à chaque fois que nous sortons des nouveaux produits, vous avez une fiche produit détaillée en cliquant sur la photo. Et là également, c'est Manuela qui rédige tout ça. Je lui donne mes conseils, mes astuces et ensuite elle peut rédiger la fiche pour que vous puissiez avoir un conseil quand vous souhaitez passer vos commandes. Voilà pour l'équipe, j'allais dire, féminine. Et ensuite, il y a également Olivier. Donc Olivier, beaucoup de personnes de la boutique à Orléans le connaissent. Donc c'est également mon mari. Donc nous avons la chance de travailler ensemble. C'est un vrai plaisir. Donc il est avec moi dans l'entreprise depuis le début. Côté Mosaïque n'existerait pas sans Olivier. Donc c'est lui qui va gérer toute l'informatique chez Côté Mosaïque. Vous l'avez également parfois au téléphone. Donc c'est vraiment l'homme de Côté Mosaïque. Je vous ai présenté avec plaisir toute mon équipe parce que j'aime le dire, parce que c'est sincère et une entreprise et tous les beaux projets que j'arrive à mettre en place ne pourraient absolument pas exister sans toutes ces personnes. Donc un grand merci à mon équipe et j'espère que vous appréciez leur travail. Et puis maintenant, passons aux résultats pour le concours La Boule aux Étoiles. Alors,
Bien sûr, la sélection, comme vous vous en doutez, elle est complètement subjective. Je n'ai pas donné de contraintes à mes employés pour qu'ils puissent choisir. Donc, ils ont pu choisir en fonction de la technique, en fonction de l'esthétique. Vraiment, c'est juste des coups de cœur. Donc, ne cherchez peut-être pas à, j'allais dire, à comprendre. Voilà, ce sont des coups de cœur. Donc, en fait, pour vous expliquer comment nous avons procédé, chacun a choisi une dizaine de mosaïques qui lui plaisaient. Et ensuite, pour choisir les trois dernières, nous avons regardé les mosaïques que nous avions en point commun. Et il s'en est dégagé trois. Donc, comme quoi, même malgré le choix qui paraissait très très compliqué au départ, on a quand même réussi à en avoir trois dans toutes les listes. Et ensuite, nous avons décidé dans quel ordre nous allions attribuer les prix. Alors, la première mosaïque gagnante, c'est celle de Cindy. Donc, c'est la mosaïque qui porte le numéro 3. C'est un joli rouge-gorge. Je pense que vous avez été très nombreux à apprécier cette mosaïque. Donc, bravo Cindy qui remporte le premier prix. Le deuxième prix, c'est la photo numéro 32. Johan et son fils Owen. Alors là aussi, beaucoup d'originalité, un très joli bonhomme de neige, un très beau motif certainement que Owen a décidé au départ, et nous avons apprécié ce travail père-fils, et Owen est jeune, 7 ans, donc c'est un super démarrage et avec une très belle idée d'ajout de LED. Troisième mosaïque gagnante, donc celle-ci, c'est celle de Cécile. On a apprécié ce sapin avec des épines, presque des branches en tout cas, des plus vraies que nature, et l'incrustation d'un pot en relief avec des perles. Voilà, donc vraiment un mélange de matériaux qui nous a bien plu. Bravo donc à ces trois personnes. Et un dernier point très important, comme vous le saviez, ce kit est également un kit solidaire. Donc Côté Mosaïque va reverser 4 euros pour chaque kit vendu. Donc vous avez été plus d'une centaine à acheter le kit. Donc certains nous l'ont carrément dit clairement, ils achetaient le kit pour être solidaires. Donc un grand, grand merci. Et grâce à tous vos achats et vos participations, nous allons pouvoir reverser dès la semaine prochaine 432 euros à l'association Les Petits Cartables. Donc vraiment un grand, grand merci pour cette association qui est très active. Et voilà, du fond du cœur, merci. C'était vraiment l'occasion de s'amuser, de prendre plaisir à créer, puisque ça, vous me le dites dans tous vos mails, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Et tout en s'amusant, voilà, nous avons pu faire ce geste généreux et reverser cette belle somme, 432 euros, qui servira à nourrir des familles dont les enfants sont scolarisés grâce aux petits cartables. Eh bien, écoutez, j'espère que ce concours vous a emballé. En tout cas, vous êtes déjà plus de 1000 personnes, c'est incroyable, à avoir regardé le diaporama. Maintenant que vous avez notre sélection, j'espère que vous allez regarder autrement encore ce diaporama, que vous allez apprécier notre choix. Et j'ai le plaisir de vous retrouver d'ici, j'espère, quelques semaines pour un nouveau concours, puisque vous êtes très, très nombreux déjà à me dire que vous attendez avec impatience le suivant. Vous êtes incroyables. Alors, je vais vous préparer tout ça. Et maintenant, vous le savez, avec ma super équipe. Et je vous dis à très vite. Au revoir.